palé.com. palais.com Palais. Palais. nous, tu annoncé le nom avec nous, coordonnateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Metten. Ambassadeur Metten. bienvenue dans la voie de l'Amérique et surtout, et bonne heure heureuse année pour toute équipe du département d'État à Washington. Merci Empil, merci Empil, M. Belize, Ça fait grand plaisir pour moi, capable de euh, venir ici. Faut-il causer avec vous E toujou menm plezi atou nan pakeyo nan plato nou nan la vo de l'Amerik. Ambasade meten genye yon nouvo prezident, se 58e nan. E nan peyi d'Haïti, se M. Jovenel Moïse ki soti nan PHTK pati tet kale Haïtien. Dapre rezultat definitif konser elektoral pou vizou a publiye 3 janvye ki soti pase la, M. Moïse rapote plus pase 55% voyo. Depatman d'Etat pat prantan pou lde reagi apre publikasyon rezultat sa yo nan vwa pot paroli an palan de John Kirby. John Kirby nan not li a felicite nouvo elu a, se yon not ki pratikman esprime satisfaksyon Washington. Eske jodi a nan la vwa de la mi ou ka eksplike pou nou satisfaksyon Washington sa a? Certainement tout, tout d'abord moi voulais souhaiter à tous les euh, bonne année et euh, moi tablé euh, souhaiter que 2017 pour chaque haïtien qu'il une année de, de prospérité et de paix. Mais honnêtement nous nous vraiment très contents euh, Gade euh, preske fin de prosesus elektoral la, paske mwen di preske fin, paske nou pouk ou fin fe rezultat, pouk nou fe deuxième, pouk Aysen ou fe deuxième ron pou certaine euh, sièj mm -hmm. du parlement. Men mm -hmm. pou la prezidans, euh, ba la fini. Euh, rezultat, se yo bon bagay pou nan opinyon pam nan, rezultat yo kley. Monsieur le président élu, Monsieur Jovenel Moïse, tu es gagné clairement. Et Jean me dit à plusieurs reprises ici sur le voie de l'Amérique, nous vraiment impatients, capables de travailler avec un Parlement fraîchement élu et un président démocratiquement élu pour travailler ensemble avec un voisin proche, un pays ami. Pour ce que ça nous fait ensemble? On dit que M. Jovenel Moïse est élu clairement, ou dit démocratiquement élu. Est-ce que c'est une façon pour dire que nous-mêmes nous, nous t'apprécions les gens la et le processus électoral là t'es déroulé Ça veut dire que Conseil électoral là sa table a fait un bon travail. D'après chaque rapport, euh, rapport élu, euh, la conduite des élections ça a eu t'est bien fait, KEP a été bien organisé, y était euh, élection était bien observée et même contestation d'après Sam tenu t'est bien fait, euh, moins que élection t'est fait dans la transparence, okay. l'été fait dans un sens de bonne organisa organisation et, et euh, nous mêmes nous nous confions que officiels euh, officiel haïtien qui étaient chargé à l'élection, surtout KEP, et, et, faut que nous saluions tout le, 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 président intérimaire, monsieur Privert, euh, qui était vraiment, euh, monsieur de bonne foi, qui était assuré aussi que sécurité était, tout, tout bas mis en place, euh, non, nous vraiment satisfaits. Nan notre depatman d'Etat soti apre proklamasyon rezultat definitif yo, yo voye monsye John Kirby nan non depatman d'Etat voye yo mesaj tou baye kandida perdant yo pou yo pa fe violans. E, Men ou tan detou nan la preske, kandida ki pi pre Jovdel Moizyo yo di ke se yon kou d'Etat elektoral, yo di ke yo rejte rezultat sa yo. Ki jòs son sa yo vin jòn Washington? Me zan, mi m pa kompran, vreman. Euh, ka gen toujou nan chak peyi, moun yo ki perdi, yo toujou pa kontan. Se sa nou kompran, se konsan nan chak demokrasi. Me, na nan opinyon pa mnen, mwen kwe ke sa, se nou, se se pa bon pou la demokrasi haisyen, apre chak eleksyon ki gen, moun ki perdi, ki di demokrasi, Ke eleksyon pat bon, euh, euh, te gen fraude masiv, se ton kou deta elektoral, se pa bon. Sa ran ampil moun sinik, sa ran moun euh, moun mwen konfians nan prosesus elektoral. E personelman, mwen kwe se pa bon. E kontribuab haisyen te pe chèr pou eleksyon sa yo. E dapre sa nou te we, yo te fè, yo te bien fè. Et je peux comprendre les gens qui sont déçu que aient été perdu, mais honnêtement, il faut tourner la page et travailler ensemble pour que le pays a, a avance. Surtout cette fois-ci, Haïti organise l'élection avec propre la l'agent. Ça veut dire que c'est ah l'agent et le peuple haïtien qui investit dans le cadre ah oui Et, ambassadeur maintenant, où se dit encore. En général, on toujours dit que et Washington ou les États-Unis pas qu'à attendre pour être capables de travailler avec un gouvernement démocratiquement élu. Qui gens travaillent, sa assistance, sa collaboration, sa coopération, ça pourrait le traduire dans la réalité Tout d'abord, euh, nous gagnons une série de, de bagages que nous sommes nous, nous en train de faire avec le gouvernement et avec... Euh, la la on ensemble pour créer un parc industriel dans le mmh. grand nord euh, mais un bagage qui est vraiment important ces jours-ci c'est travailler travail ensemble avec le ministère de santé publique et l'autre acteur pour combattre la choléra mmh. où On connaît ça ça y a eu un problème depuis depuis plus que cinq ans et le gouvernement haïtien a développé un bon genre plan pour 10 ans et pour, 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 pour 15 ans pour combattre le choléra. Nous-mêmes, avec USAID, avec CDC, nous travaillons ensemble avec le ministère de la Santé publique pour que nous euh, soyons bien préparés et, et éventuellement, avec travail d'autres acteurs, incluant... Euh, Nations Unies, peut-être. Haïti, euh, choléra pourrait disparaître en Haïti. Mais ces derniers temps, nous voyons que l'assistance que les États-Unis baillent Haïti, elle ne pas le gouvernement directement, le passe par ONG. Est-ce qu'avec le euh, nouveau gouvernement que nous applaudissons et Victoire est-ce que ça va être différent? Nous, tu toujours, il une... faut que nous fassions une petite précision. Nous ne baillons pas l'argent directement à l'État haïtien, mais... C'est la politique américaine. Nous pas l'argent à qui que ça soit. C'est la même règle pour Haïti, c'est la même règle pour euh, le Pakistan, c'est la même règle pour pays Israël, etc. etc. Nous, travaillons, nous travaillons avec l'autre acteurs pour que projet que nous envisageons. Invasions fait ensemble un gouvernement local, capable de faire ensemble. Et, et c'est comme ça que le Congrès américain insiste que, que nous travaillons. Nous avons une longue histoire, une histoire longue en Haïti, travaillons avec plusieurs acteurs haïtiens, américains et, 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 et euh, étrangers aussi. Donc ça veut dire si, bien comprendre, ça veut dire si nous, assistance, ce que nous avons assistance que la potée le pays d'Haïti, nous pas le bail et gouvernement Jovenel Moïse n'a passé peut-être pas USAID avec l'autre ONG. C'est ça qui est clair. Non, exactement. Et, et ce que nous nous pas fait, nous pas de cash, mais par exemple nous nous de euh, support pour que par exemple certains salaires capables d'être euh, subventionnés par l'État américain. Dans le, ministère, euh, dans le ministère de la Santé publique, là, par exemple. Alors, abordons autre question parce que nous connaissons que M. Jovenel Moïse, a eu un pile défi devant, il pile rêve pour le pays d'Haïti. Et nous connaissons que y a un rêve, Président Martelly, qui sont dans même partie avec Jovenel Moïse, c'était réinstaller l'armée dans le pays d'Haïti. Et Jovenel Moïse... en tanke kandida konya prezidant elu, li toujou gen menm revsa reinstal la me. E mte gen okasyon pale avel nan anvan eleksyon 20 novem. Non te pale avel 18 novem 2016, 2 jou anvan deroulement eleksyon ou, men deklarasyon lte fe, an dan del. PON LA PALE PON KOM PON LA PALE PON KOM Je me dis, un seul point de désaccord, moi, avec vous, parce que je ne pas prêt à craser. Je dis, vous êtes prêt à vous Je non, je ne suis pas Parce que, par exemple, l'armée, je veux dire, le 18 novembre, l'armée a la constitution jusqu'à présent. D'ailleurs, on ne peut pas décider, on ne peut Nous peut dire ça. Il ne faut personne ne peut dire Et sans ça, il est dans l'armée, je veux dire. Tant que le président élu a dit là, nous ne pouvons pas les questions et la mer. Et nous on la position les États-Unis, c'est le renforcement police nationale là. Et le président élu a candidat, et je dis à président élu dit que nous ne pouvons pas parler de la mer parce que nous avons constitution haïtienne. Et Washington lui-même positionne ces renforcements police police là. Qui gère nous parler vivre situation situation avec le gouvernement élu Ah oui, je que nous n'avons pas de problème avec ça, parce que... Nous-mêmes, nous sommes nous toujours bas support à une police civile. Et dans la conception par nous, gens qui, 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 qui assurent la sécurité de la nation intérieure, c'est la police dans le cas d'Haïti, c'est la police nationale et nous avons investi un en pile, en pile -cob pour assurer que Haïti a gagné une, une police compétente et, 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 et transparente. Euh, question, réformation d'une armée haïtienne, c'est une question pour Haïtien, Haïti et pour Haïtiens, nous, à débattre entre eux, nous-mêmes, honetman nou, nou, nou pa vreman gen yon vwa, men mwen wè sa divisil a imajine ke pe Etasuni, pa ekzamp, bay suport finansye a yon force arme. Men mwen konen ke ide de yon arme a esensyon si bag aki popüler an Haiti. Lem te la koum ambasade, mwen, mwen te wè an pil tan, mwen yo ke tou, tu toujours posé question, tu es toujours bat bravo, le président Martelly t'a mentionné la récréation de l'armée, etc., etc. Mais, on peut imaginer qu'il y a une force qui était là en Haïti pour aider les pays à combattre des désastres naturels comme cyclones, comme inondations, comme tremblements de terre, pour que Haïti soit puis indépendant Yo pa bezwen, prochen fwa ka gen yon problem kon sa an Haiti, yo pa bezwen mande Ameriken yo vin, yo ka fese yo men. Mwen ka imagine yo maga kon sa. Mpa kone si sa, prezident... Foko la konstitusyon. Mpa kone si si sa, prezident elu gen nan tet li, men mwen ka imagine sa. E mwen ka imagine ke moun yo isi, patewe sa nan yon mouvez e. Men yon arme... Normal, mwen kwe ke gen yon pil moun isit ki ka we sa dan zoun sens uh, difisil. Lodi, isit kontribuyab Ameriken e Departement d'Etat e et, Maison Blanche. Oui, nou, nou pito nou po al kontinuye suporte uh, la polis nasyonal pou nou men nan konsepsyon pan nou yon polis sivil Qui travaille pour protéger et servir le peuple haïtien, c'est un bagage qui nous a à supporter. Tu as plusieurs gouvernements, plusieurs politiciens qui te supporté l'idée de ça tout. C'est peut-être ça, nous te baillons à aider ah, l'État haïtien à créer une police indépendante euh, euh, pour protéger et servir le peuple haïtien. Et nous allons ah. continuer à faire ça. Ambassadeur, maintenant, le gouvernement ça après le pouvoir d'ici 7 février 2017. Igan pil defi. Tout bagay nan peyi ya, se priorite pou gouvenman. E nou konen ke nan mouman sa menm, e omlen sekwiti, depatman sekwiti teritorial les Etats-Unis, ap, e depante moun, eske ou pa kwe ke sa kapab yon sous de, ki kapab deranje gouvenman nan mouman ke, e eh ben, ligan pil defi devan. Bon, mpa kone, mwen pa gen boul kristal pou we ki sa kapase nan san sa. Men pou mwen men, sa ki impotant se ke travay ke nou bezman fe ansam ak nouvo gouvernman Haitien, se pou goumen pou asyre ke moun sa yo ki te kite Haiti, yo pa bezman kite Haiti anko. Mm -hmm. Nous avons créé une Haïti qui joue un travail en Haïti. Mm -hmm. laquelle, une Haïti dans laquelle nous avons une opportunité pour qu'il n'y ait jamais besoin de quitter le pays, le pays natal yo encore. Mm -hmm. Et, et c'est un travail que nous sommes nous, impatients à faire. Et moi, je suis un jour que... Tout Haïtien qui besoin de travail, qui a besoin de travail en Haïti, dans l'accueil satisfait. Merci, ambassadeur Kenneth Metten. C'est un plaisir. L'autre fois, encore, pour nous te Donc, aujourd'hui, c'est une édition spéciale. Côté que nous avons accueilli coordinateur spécial pour Haïti dans le département d'État, ambassadeur Kenneth Metten, qui, avec même amabilité, a accepté de répondre à la